dalle. C'est un peu long. Je pense pas que je sois dans une vraie zone. Là, j'y suis. Oh mon dieu, c'est terrible! On pop comme ça, genre! J'ai mon arc. Ah oh non, enfin Isakir! Non mais je suis avec mon arc, je suis full con là-haut. Mais où je suis? What the fuck? Hein? Attends, mais j'ai reboot? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Hein? Je comprends pas! Pourquoi on a repop? Mais non, mais arrête, j'ai pas compris! Ah, c'est le maximum de kills! Oh non, mais c'est terrible! Non mais j'ai absolument rien compris. Je suis morte avant-dernière. C'est vraiment ça qui vient de se passer quoi. On a 3 vies. Ok, super. C'est de la merde. C'est nul à chier. On est trop. Attends genre, est-ce que du coup, c'est pas moi qui suis morte la pire, j'imagine. Hein? Ah, on a du stuff moins bon à chaque truc. Oh là là. Il faut que je m'enterre. Moi, je ne vois que ça. Non, mais humidité beaucoup trop chaud. Vous me dites qu'il vient d'installer le jeu, mais c'est complètement faux, ça se voit bien. Oh, je suis trop triste. Que vient-il de se passer? Attends, mais il faut que j'aille voir le live de Zerator parce que on comprend pas. Attends, mais il y avait 96 personnes qui ont été exportées et j'ai été tuée genre 95e, genre horrible. Vous voyez, ça m'étonne un petit peu parce que en réalité, on peut construire. Hein. Oh, il y a Fucano ici au milieu. Ah, on peut construire, il a dit. Complètement focus par 3 personnes et maintenant 4 personnes. Ah bah, c'est ce qu'on va faire un prochain truc. Hein. Je veux dire, je vais m'enterrer moi. Tu vas voir. Sa nouvelle vie, évidemment. Et bien sûr, full lag annule l'événement. Ah bah non, jamais on annule. Mais non, on va tout faire en lagant. On va tout faire en lagant, évidemment. Ouais, très bonne idée, Zera. Bah, Juice TV, vous voyez. Typiquement, Juice TV qui avait perdu une première vie ici, qui maintenant a du cuir, on voit très bien. Hop là. Et là, qui continue. Ouais, j'aime bien me superposer à Zerator. Bonjour à tous. Un petit peu. Non mais c'est trop. Corps à corps avec Juice. On a l'arc Infinity. On peut se planquer. On peut se planquer. On peut prendre de la hauteur. Il a 5 kills. Il a joué full crâne. Tu sais comme il est mis. Donc quel était mon truc? Alors je me suis accroupi quand j'étais dans mon trou. Enfin dans mon trou. J'ai pensé à construire. Franchement, je veux dire, voilà, je suis pas parti de rien, tu vois. Évidemment, après cette première game, moi j'irai demander un petit peu à l'organisation, à ceux qui s'occupent de coder le. Alors ma journée Sims, je sais pas. Voir si c'est réglable. Maintenant avec l'entreprise et tout, c'est chaud. Avec du lag au début et c'est comme ça. Tu peux pas te cacher dans le sable, sinon tu meurs par étouffement. Ah. Juste envoyer des messages Discord à des streamers. Yonix TV au milieu, Juice derrière. Attention à Damien 7, les deux joueurs PUBG, les deux joueurs de type. Ah mais attends, ils ont escaladé des trucs. Est-ce qu'on peut escalader des trucs? Ah mais oui, suis-je bête? J'aurais pu me faire une tour et monter tout en haut. Ouais mais non, je deviens complètement une cible pour. Un kill ça vaut cher, attention. Hein. Voilà, on construit, on pose du sable. Je vous rappelle que. Oh là là, mais moi j'ai fait un score de merde. Tu as pas de limite de flèche. Juice qui fait du kill, Juice qui. Qui est en train complètement de focus. C'est chaud. Pas mal. Hein. Ça, ça lag quasiment plus. Ça lag plus. On a un drop qui tombe. Regardez là-bas. Entre les cris et Nao qui, au lieu de bouger son perso, bouge son. Mais c'est terrible. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Déposer ce coffre. Petit canard. Ça, c'est de la bonne strat. Oui, ça, c'est de la bonne strat. On se met sur une petite tour de sable comme ça et paf. On saute, on envoie une petite mais moi je vais faire une tour de sable aussi, c'est bien ça. De pique au milieu, personne ne va aller chercher le drop pour l'instant, pas vraiment savoir ce qu'il y a dedans. C'est quoi le son de sub du mois prochain? Deviner si jamais quelqu'un arrive
Voilà, arrive avec. Comment c'est combien de gens il reste ? Ta vie. Yes ! Je vois que t'as écouté la règle quand je disais qu'il y avait 3 vies. Ça fait plaisir. Donc non, il n'y a pas de glitch. Hein. Gomar, sur Tuffers et The Ben Big. Ah, c'est dommage parce qu'on ne sait pas combien il reste de personnes. Ça, j'avoue que j'aurais dû leur demander. Oui, parce que là, ce serait pas, on est d'accord qu'on ne sait pas. Ce serait pas le joueur de l'écurie Solari là, qui est en train de briller au milieu de l'arène Fight for Sub en full fer. Trackmania Bren. Oula, qui c'est qui envoie des flèches de très haut là ? Quelqu'un qui envoie des flèches de très haut. Oh là là, qui c'est qui est là-haut ? Qui c'est qui est là-haut ? Alors ça, c'est pas mal, mais ça peut être très risqué. Hein. Pandaren TV. Ah ! Mais comment il a fait pour monter là-haut ? Ah, il a fait un bloc, il a monté. Bac, hein. C'est des poulets ? Ah, c'est des poulets. Attention. Ah bah si, c'est des poulets, alors. Non mais moi, horrible. Non mais horrible ce FFS. Quelle horreur ! On a Juice au milieu. Oh, Juice qui s'est fait éliminer par TM Bren. Bren au milieu de l'arène. Hein. Merci Aska. Déjà à toi, level up niveau 13. Merci beaucoup. Madman Mathis. Pourquoi pas. Bon, qui est mort en fait, avant moi ? Ça, c'est, sur la manche 2, je pense pas que ça, ça c'est vraiment, vraiment le pire, du coup. Et 100 personnes dans une arène aussi petite, vous savez. Oui, vous êtes 179. C'est beau. Putain, c'est beau, ouais. Ok, attention. Ah bah quand on meurt, on peut vocal, oui. D'ailleurs, est-ce que Nathalie est morte ? Sport, visiblement. Bret, qui poursuit. Peut-être pas. Mais Bret, il est trop chaud, hein ? C'est quoi cette connerie ? Peut-être qu'elle est trop forte. Le mec est fort au jeu de course, fort au jeu de guerre, fort au jeu de cube. Non mais, ah oui, mon arc a changé un moment, mais faut que je... En fait, je pense que c'est à cause de ma molette. Dans l'action, j'ai dû switch parce que j'avais bien mon épée au début. Mais attention, on va pas commencer à jouer avec ça. Ici, on est en train de... Elle est morte après moi ? La finale, effectivement. Où est-ce qu'on est, là ? Qui est cette personne ? Petit panda bleu, mais ça c'est Kenny, c'est totalement Kenny. On a The Vic, vous voyez, qui est un spectateur. Là, quand vous voyez un pseudo comme ça en transparence, c'est dire que c'est une personne qui a épuisé ses 3 vies. Et comment je peux rejoindre le spec ? Comment il fait pour spec ? Il reste plus beaucoup de gens en réalité. Petit panda bleu, c'est notre joueur français, hein. C'est Kenny tout simplement. Nous on peut pas spec, on est éjecté. Attention, le fight. Non, mais l'arène est pas mal, j'avoue. Ah, ça commence à rétrécir, ça, incroyable. Ça c'est bien joué, mais le truc c'est que, attention, on n'est pas obligé de sneak, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les pseudonymes, on les voit que quand on est à 10 blocs d'écart. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là ? Qui c'est qui fight ? C'est Daiko, et qui ça, et qui ça, et qui ça ? Et Gil bien sûr. Mais là, ils ont l'air d'avoir du stuff des enfers, comment se fait-ce ? Ils ont trouvé des coffres et des machins. Ça veut dire qu'il a plus que 4 manches, bah non, plus que 3 ! Daiko qui monte, est-ce qu'il va aller prendre de la hauteur ? Peut-être. Oh ! On a réussi. Comment on peut voir ? Moi je vois Humilité FR là qui est parti. Daiko qui va le rusher, il voit les trucs. Quasiment plus de vie. Je sais pas comment on peut rejoindre pour regarder. On poursuit. Comment ils font ? Qui est mal. Il essaie de monter sur les blocs. Ça ne se passe pas bien. C'est sa dernière vie en théorie. Donc là, il peut y avoir un kill précieux pour Daiko. Il est poursuivi par Lib de l'autre côté qui s'était caché. Visiblement qui a perdu aucune vie puisqu'il est full fer. Daiko fonce sur le Gurki. Le Gurki contre. Oh mon dieu, Lib qui Ah, quand t'es tout blanc, du coup, t'as perdu aucune vie. Donc t'es trop fort, c'est ça que ça veut dire. Étoile qui est en cuir. Hein. Ça veut dire qu'il est sur sa deuxième vie. Étoile qui a fait le kill. Étoile, le joueur français. Il récupère les staffs. Oh merci, Fanny 265, on te reçoit. GG à toi, le level niveau 2. Merci beaucoup pour le soutien. Étoile a perdu un peu de vie. Attention, knockback. Et c'est Lib qui finalement va tuer Étoile. Étoile qui respawn. Après, j'ai l'impression que ça va aller vite, les manches. La map, comme vous le savez, avec. Donc, mais non, c'était sa deuxième vie, donc c'est dommage. C'est Étoile qui a perdu. Oh, et merci, Muroshino, pour ton reset. Déjà, à quoi le level up niveau 17, Mathieu. Mais tout fait avec du sable. C'est possible. C'est possible, on peut faire le. Mais pourquoi t'as pas respawn toi ? Ah, si, moi j'ai respawn 3 fois. Mais genre, au début, ça m'a perturbé. Le premier, j'avais pas bien lu, j'avais pas compris que ça allait me faire repop. Alors, ça aurait été absolument catastrophique pour le joueur de type Redstone. Et du coup, Nathalie, c'est bon, elle doit être là. C'est quand même dangereux. Attention à Pierre. Allô. Il met un bloc de sable évidemment pour pouvoir sauter si jamais il se fait avoir. Je veux dire, quand on est mort, on peut parler, tu vois. Il voit le pseudo. Moi je suis démute. Du coup, il ressort et paf. En fait, c'est ça. Ça ah non, mais moi je suis morte. Dans un truc de sable comme ça, et dès qu'il voit un pseudo. Limite la première, je veux dire. Et bien, il sort, il met deux petits coups pour pas évidemment qu'on C'est vraiment incroyable. Qu'on le prenne par surprise et qu'on l'étouffe, sachant que c'est sa deuxième fois. Ah, Pierre, mais personne ne va le trouver là-bas. Donc voilà, pourquoi pas. Je suis morte comme un caca. Ça valait le coup de s'entraîner hier, tu vois. Si, j'ai réussi à mettre deux blocs, ça m'a pas servi. Super. Ah ! Bah alors ? Bah Zera, qu'est-ce qui t'arrive ? Vous aussi, vous avez perdu Zera ? Ou y'a que moi ? Allô ? Ah non, bah non, hein, c'est... Tout le monde a perdu Zera, vraisemblablement. Non, j'ai pas grimpé dans une tour. Ah bah on a perdu Zerator. Ah bah quel dommage.
Cette vidéo n'est pas disponible ou n'est pas prise en charge pour ce navigateur. What? Zerator, mesdames et messieurs. Quand on est Game Mode 3, on devient un fantôme, on peut voir leur vue avec un clic droit. Badek. Le stream de Zera a crash, non? Oui, oui. Moi, je sais pas comment regarder les... Du coup, on peut pas suivre. Rah. Quel dommage. Relance la page. Tu crois qu'il faut que je relance? Le serveur allait... Ah! Tu crois? Je fais F5. Je vais faire F5 sur vos conseils. Hein. Non, c'est on est off. Hein. C'est bah, c'est bien. C'est un. Alors moi je suis pas off par contre. Qu'est-ce qui se passe? Comment on se met? Game mode quelque chose. J'ai la même réaction quand t'es off. Comment on fait pour regarder le combat dans l'arène? Comment on spec? Comment ça se passe? On va les spec nous-mêmes. Je sais pas comment on fait. Dites-moi. Tu fais T. Ah. Game mode. Ah. I'm sorry, but you do not have permission to perform this command. Ah oh bah tant pis. Ah. Ah, le retour de Zerator. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, comment allez-vous? Bienvenue. Oh, mais c'est pas grave si on voit pas mon jeu, FFS, parce que de toute façon il y a rien à voir sur mon jeu. Et messieurs, alors que Zerator est de retour, et ça c'est incroyable. Frigiel contre quelle ordure? On est en plein FFS, j'espère que vous allez bien. On va Frigiel. Eh, quelle ordure, il était là hier soir. On s'en souvient. Ah non merde, tout a planté. Oh la vache. Allô? Allô? Vous voyez le stream? Est-ce que vous voyez l'image? Oui. Vous voyez l'image? Oui. Moi ça a bugué pour moi. Je vous le dis. Moi, tout a bugué pour moi. Ah, vous avez le retour? Ah, vous oui avez le okay, parce que moi, tout a bugué. Bon, très bien. Alors, on va continuer comme si tout est normal et que rien ne se passait avec des problèmes. D'accord. Okay, Frigiel contre Kenny. Mesdames et messieurs, Frigiel contre Kenny. On dirait un de tes streams. Oh, wait. Tu veux dire un stream non professionnel, c'est ça que tu es en train de dire? Très bien. Nice. Frigiel. Ok, ok. Frigiel, le dieu de Minecraft. Et boum. Skypierre est toujours au milieu. Skypierre est toujours au milieu. Très bien, il reste pas beaucoup de monde, On a Frigiel. Non mais j'ai fait la commande que vous m'avez dit. C'est libre encore. Oh mais putain, mais incroyable. En même temps, il connaît hein. Mais j'ai pas les droits. Pas du tout. Non, on dirait les enfants qui répondent quand ils regardent Dora l'exploratrice. Désolé pour cette petite coupure. J'ai eu une coupure. Bah alors, cela dit, il est possible que ça recoupe le live. Je sais pas trop pourquoi, mais... Non mais c'est pas grave, Zera. J'ai beaucoup de problèmes, je crois que je vais jeter mon ordinateur gratuit à la poubelle. Parce que là, évidemment... Beyan 77 a été tué par Frigiel. Et là il y a la zone. Ah ça commence à devenir okay, petit quand même hein. Libre avec ils sont combien là? Deux. Ouais, Frigiel qui va tout mourir. Il manque les gens quand même. On sait pas combien il reste de gens vivants. Il est trop bien parti pour gagner sauf s'il se fait full focus à un moment, ça veut dire qu'il a bon après il a que deux vies hein. Attention hein. Il a un malus mais quand même. Après quand il en restera plus qu'un, j'imagine que ça va s'arrêter et du coup on saura. Skyheart, joueur intelligent. Skyheart qui joue avec le cerveau. Mais il est toujours là. Attention, libre juste à côté. Mais il était fort lui aussi, hein. Skyheart, tu faisais les top guns et tout. Hein. On fait le spam arc, ça fonctionne bien. Libre a vu qu'il est. Skyheart est mort, déçu. Skyheart est mort. Libre est mort également. Et non, pas du tout. Il s'est enfermé là-dedans. Oh, regarde la planque. Quel malin. Qui avait choisi effectivement de se mettre sur les côtés. Maintenant. Non, mais les côtés, c'est bien, tu vois. Mais c'est terrible mon score de cette première manche. Ok. J'avais dit, je voulais pas mourir la première. Mourir la deuxième, c'est pas mieux, je veux dire. Toujours dans son trou. Mais il sneak pour pas qu'on voit son pseudo. Et vu qu'il est au milieu de l'arène, franchement, il fait bien. Ça pourrait être la victoire. Ça pourrait être la victoire pour Aipierre. Vous voyez que la bordure rétrécit de plus en plus. On arrive, mesdames et messieurs, près du centre de l'arène Fight for Sub. Évidemment, on arrive. Il se cache encore derrière les piliers là. Avec.
ce logo qui trône. Putain, mais Lim, par mais contre, lui là de vie. Alors, sachant qu'à chaque kill, il récupère 3 cœurs. Hein. Chaque kill, il récupère 3 cœurs. Et évidemment, bah, ça pourrait être. Ah, mais ok, en fait, on peut se connaître. Ah, ok, on peut se TP aux gens, même s'ils sont en. Ah, yes. Alors, ça, c'était la belle connerie. Bien joué, Zerator. Et donc, maintenant, faut que je trouve un mec qui est vivant, c'est ça? Ok, énorme. C'est parti. Minecraft et son spec mode. On va trouver, on va trouver. Non, non. Hop, 8. 1, 2, 3, 4. Skyheart. Skyheart, il est vivant. Voilà, parfait, c'est bon. Le spec. Comment il fait pour spec? Je gère. Tout va bien. Comment il fait pour spec? Comment il fait pour spec? On a Hype-Pierre. On a Lib. On dirait vraiment un de tes lives du coup. Non, mais moi ça me rassure. Tu vois, ça c'est bien. Ça aurait pu fonctionner. C'est le nouveau mode de Dofus, c'est ça qu'il y a après le millième songe. Exactement. C'est tout à fait ça. 6 personnes max. Toujours Hype-Pierre qui est là, mais quelle raclure. Quelle raclure. Mais on est dans un battle royal. Et vous voyez, finalement, il est allé en 0-0, il a campé. Hein. Et finalement, ça, eh bien, ça paye. J'ai envie de dire, ça paye. Poum, voilà. Allez, mort, tu passes Paris. Ton bras devant Zerator, comme ça. Là, ça se fait pas, il travaille. Très bien, Lib. Ah, du coup, mes streams sont pros, en fait. Ah, bah, ça rassure. Il avance avec du sable. Poc-poc. Je sais pas comment on spec. Okay. Comment ça se fait qu'Humility arrive à spec? Apparemment, on avait plus trop de vie. Ça me tue. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la fin de cette game? Donc là, je pense qu'il reste Lib, Skyheart et Hype-Pierre. Comment on spec de ce jeu de mort là? La bordure commence à faire que. Vous savez quoi? On va faire un petit slash border là. Hop. On va faire un slash border pour rétrécir un peu l'arène un petit peu plus vite. Ah, on a Beyan 77. Je ne l'avais pas vu. Tu sais qui est là-bas? Elle paupière. Lib qui va se faire. Vous voyez? Là, il va se faire push. Elle. Même s'il ne peut pas sortir, en fait, la bordure va le faire sauter un petit peu plus loin. Hop. Voilà, comme ça, voilà. Il a pris un petit peu de gâchute, mais ça, il avait qu'à pas camper, j'ai envie j'ai de dire. J'ai all commande, on a Skyheart juste derrière. Ah, mais ça on reste pas longtemps côté. Oh, il y a du PVP en masse. PVP en masse, regardez. On est obligé de s'avancer parce que la bordure, elle, est ici, on est en milieu de ça map. Ça veut rien dire, et ce qui a marqué. Kill magnifique. De l'autre je comprends côté, pas. Non, mais je risque de faire des conneries, donc je préfère ne rien cliquer. Il va peut-être aller le chercher, il connaît, évidemment. Tu veux qu'on aille demander à Ami Hype-Pierre qui est là-dedans. Bah, s'il a fait Game Mode 3, comme vous me disiez de faire, c'est juste que moi j'ai peut-être pas les droits quoi, et que lui il les a peut-être. On va faire un petit slash border pour que ça se rétrécisse. Tu vois, je sais pas. Voilà, ça va se rétrécir à mort. Et Hype-Pierre va finir par être expulsé là-dedans. Skyheart contre Lib, il faut faire le spam arc. Ah oui, il est pas bien placé Hype-Pierre. Sauf que non, il reste quelqu'un, et ce quelqu'un, mesdames et messieurs, c'est Hype-Pierre, il sait qu'il est en train de sort contre Lib, cuir contre fer, attention, c'est le duel final. Massacré. Lib qui gagne avec 14 kills, mesdames et messieurs, cette première manche du FFS. Ah, il y a des feux d'artifice et tout, mais c'est incroyable. Deux. Et là, vous vous dites, oui, mais top 2, c'est pas si mal. En effet, c'est pas si mal. Et franchement, dans un FFS comme ça, faire top 2, ça amène beaucoup de points. Mais attention, attention. Et top 96. Il y a des gens qui ont des kills, mesdames et messieurs. Je veux dire, bah, comment ça se passe? Salut à tous. Et forcément, les kills, eh bien, ça compte. Vous allez voir que ça compte.